d'apporter une esthétique qui nous plaît sur scène. Ouais, c'est important pour nous. La musique pour moi c'est toute ma vie, depuis le début, j'en ai écouté depuis que je suis née, je crois même dans le ventre de maman elle me faisait écouter le concerto pour violon de Beethoven. Donc c'est toute ma vie, c'est mon métier, c'est ma passion, c'est ce que je fais tout le temps. La scène, c'est quelque chose de magique, c'est des moments qu'on ne peut pas oublier. Même si on arrive avant un concert, qu'on est fatigué, qu'on est malade, on arrive sur scène, il y a ce truc magique qui se passe. Et tout d'un coup, on a une vague d'énergie qui arrive et qui nous vient du public. Et puis on en ressort, on est totalement euphorique, on n'a qu'une envie, c'est de remonter. Quand on est sur scène, on ressent totalement la musique et c'est pour ça qu'on choisit des pièces qui nous parlent, dans lesquelles on croit, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment retransmettre les émotions. Et oui, on nous dit souvent que ça se voit sur nos visages, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent. On ne s'en rend même pas compte quand on joue, tellement c'est fort et qu'on est totalement dedans, quoi, c'est magique. Quand on ferme les yeux, c'est vraiment pour se remettre à l'intérieur de nous-mêmes et ressentir la musique de manière forte, en oubliant tout ce qui se passe autour, en fait. Concerto pour violon de Tchaïkovski, quand même, ouais. Ouais, c'est vrai qu'à Paléo, on est venu en basket sur scène avec des petites jupes, des tenues modernes dans lesquelles on se sent bien. On adore la mode avec Camille, donc c'est vrai que ça, c'est un truc qui nous passionne. Et puis on essaye de casser un petit peu les codes de la musique classique. On n'aime pas forcément venir jouer sur scène en robe longue noire. C'est d'être heureux et de faire ce qu'on aime. Et de manger du fromage. Rhône FM. 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 Rhône FM